Nathalie Monferrand pour l'Académie Purple. Donc, je suis aujourd'hui avec Valérie et avec Marion. J'avais des petites questions à leur poser puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de la formation conseil en images pour devenir donc coach en images. Elles se sont inscrites au mois de décembre. C'est ça. Tout à fait, oui. Pour faire donc la formation. Nous sommes le 3 février et nous venons de terminer aujourd'hui par le module développement personnel. Moi, j'aurais une question à leur poser à la fin, parce que là, ça y est, c'est fini. On était justement en train de se dire, c'est triste, voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui et pour vous, qu'est-ce que cette formation vous apporte déjà personnellement? Avant même de parler professionnellement, on va parler personnellement. Vas-y, il n'y a pas aucun problème. Je pense que de toute manière, il faut vraiment vivre la chose pour déjà l'expliquer et comprendre ce qui se passe. C'est vraiment un processus qui doit être fait intérieurement, parce que sinon on n'est pas capable de conseiller quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas en adéquation avec qui on est et ce qu'on renvoie. Parce que finalement, c'est de ça dont on parle. Donc ça, c'était le côté perso. Mais maintenant, côté pro, je pense que grâce à la formation de Stéphanie et le fait de l'avoir fait, moi je l'ai vécu tout le temps en présentiel, c'est qu'aujourd'hui je me sens prête à avoir vraiment, j'ai tout en ma possession pour me lancer et pour y aller. Et Stéphanie est là de toute manière, reste présente, oui. Quoi qu'il en soit, pour nous aiguiller si on a besoin. C'est une belle aventure qui démarre. Voilà, donc c'est bien, elle n'a pas dit qu'il se termine. Voilà, elle a dit démarre, qu'il démarre, oui, donc ça fait démarre. Plaisir. Oui, parce que je sais qu'on va rester en contact. C'est ça, exactement. Que ce soit avec Valérie et Stéphanie et tout le monde qu'on a. Toutes les filles, toutes les personnes qu'on a côtoyées. Toutes les belles personnes qu'on a rencontrées, parce qu'à chaque fois, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à chaque fois, en moyenne, sur combien de personnes? Je ne dis pas parce que je veux que ça soit vrai et cru. Sur combien de personnes vous êtes entraînées? Plus d'une dizaine. Vous entendez? Elles s'entraînent sur plus de 10 personnes à chaque fois quand on fait la formation. C'est très important. Et complètement à chaque fois atypique. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui choisis. Des physiques différentes, des caractères différents. Des vécus différents. Oui, tout à fait. Donc énormément d'expériences. Un panel d'exemples. Et puis elles se sont surtout rendues compte qu'il faut s'adapter. Eh bien, à toute personnalité. À chaque fois qu'elles voient une personne, elles ne peuvent pas se dire, eh ben demain, oh, c'est bon, je sais faire, demain, je serai... Non, qu'on s'adapte. Non, parce que le lendemain, c'est encore une autre personne, c'est encore une nouvelle histoire de vie. Donc, il faut savoir, il y a des mots qui sont importants, des mots qu'on dit à une personne la veille, mais qu'on ne peut pas réapproprier sur la même personne le lendemain. Et puis, bah, la colorimétrie, l'étude de style, la silhouette, le visagisme, le maquillage, tout ça est top. Et on finit, bien entendu, par du développement personnel, parce que pour moi, c'est super important. C'est la base de ce métier que d'allier vraiment d'être bien avec soi à l'intérieur. Cette estime de soi, cette confiance en soi, pour pouvoir ensuite s'affirmer et pour pouvoir oser, elle est primordiale. Donc, on fait, comme je leur disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez un beau vêtement, vous allez être super bien. Ça, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est très, très important, ça, de le savoir. Et toi, Valérie, du coup, qu'est-ce que tu dirais personnellement déjà? Alors, personnellement, c'est une grande richesse parce que ça m'a permis de retrouver la confiance que j'avais perdue. Et je vous conseille à tous de le faire parce que vous allez vous retrouver, vous découvrir en plus. Et en fin de compte, vous allez être aligné avec vous-même. Vous allez repartir. Quand on fait une formation comme ça, on repart et on est aligné avec soi-même. Mmh. Et professionnellement, ça va être merveilleux parce que ça va me permettre de démarrer un projet professionnel. Et c'est une belle aventure qui commence. C'est une très belle aventure et que je souhaite à beaucoup de personnes de réaliser parce que c'est merveilleux. Les vidéos, moi j'ai fait en vidéo, en e-learning, et c'est vraiment extraordinaire. Oui, parce que comme je l'ai dit, c'est dynamique. C'est dynamique. Et il y a la bienveillance, et ça, c'est extraordinaire. Donc, parce que Valérie, a fait en présentiel et en e-learning. Donc, elle a vraiment... Parce qu'en fait, ma formation, donc l'Académie Purple, propose deux formations. La formation en présentiel et la formation en e-learning pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont loin. À savoir que quand on prend la formation en e-learning, on peut aussi accéder à un module, deux modules, être modèle sur la formation présentielle pour quand même pouvoir venir s'entraîner, voir en vrai, pratiquer. Ça, c'est très important, voilà. Et donc, Valérie qui a fait les deux, peut prouver... Moi, j'ai vu les deux et je peux vous dire que faites-le parce que c'est vraiment très enrichissant.
Le présentiel vous permet de faire tout de suite les tests, voilà, les vidéos, c'est extraordinaire parce que vous pouvez les revisionner, vous avez un doute, voilà, allez-y, faut le vivre. Parce que c'est très intense à l'intérieur, mais vous repartez avec une très grande richesse après, aussi bien intérieure qu'extérieure. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et c'est vraiment ça le message. Merci beaucoup, Stéphanie. Ouais, bah, merci à vous. Alors, merci. Moi, j'ai passé, mais vraiment 15 jours en tout, parce que du coup, bah, c'est 9 jours, mais c'est étalé sur 2 semaines, donc forcément, ça reporte à 15 jours en tout. Moi, j'ai passé 15 jours depuis Noël, les bonnes mots, c'est. Parce que moi, entre mes stagiaires, entre les modèles, entre tout ce qu'on a vu, c'est arrivé, c'est reparti, ça a été très, très riche, très enrichissant humainement, mais vraiment, on a eu des belles, enfin des personnes, il y a eu des rencontres, des belles personnes qui sont restées en contact, des partenariats, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont bosser ensemble, enfin, il y a plein de choses qui se créent, et on est vraiment, enfin, moi, ce que je veux, et là où je suis contente, c'est qu'on est vraiment dans de l'humain. Oui. Et ça dans reste humain, dans le partage. Dans le partage, dans le sens du partage. Dans le sens du partage, la bienveillance règne. C'est-à-dire que moi, s'il n'y a pas de bienveillance, je sens qu'il y a quelqu'un qui est... personne, non, elle reste pas. Moi, c'est vraiment ma priorité, c'est ça, c'est que ça soit du bonheur, du non-jugement surtout. On n'est pas du tout dans le jugement, aucun moment. Et c'est ça la base aussi du conseil en image. Il y a beaucoup d'entraide. Il n'y a pas du tout. Disons que quand il y a de l'humain, en règle générale, il y a de l'entraide, il y a du partage, c'est ça qui est important. Mais il n'y a pas surtout de peur, de crainte de l'autre. C'est-à-dire qu'on arrive à parler de ce qu'on va créer, de notre logo, de notre. Sans se douter un seul moment, sans se penser plutôt un seul moment de se dire tiens, va me piquer une idée si je parle de mon truc. Non, parce qu'on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans le partage. On a chacune Notre personnalité, nos spécificités, nos goûts, et finalement, on n'est pas du tout dans cet esprit de concurrence. Pas du tout. Voilà. Pas du tout, mais ça, c'est dès le départ, des gens, ils savaient. Enfin, on l'a ressenti dès le départ. Et moi, si j'avais ressenti qu'à un moment, il y avait un risque d'une personne qui risque, je l'aurais senti, je l'aurais dit dès le début. Parce que pour moi, c'est on apprend et on s'entraide et on apprend des autres et on se motive et on s'inspire. En fait, c'est ça. C'est, chaque personne doit être inspirante pour l'autre. Voilà. Et toi, le fait que tu aies vu Marion et commencé, je pense que ça t'a boosté, ça t'a motivé pour y aller. Oui. Tu vois, t'étais pas dans la jalousie, t'étais dans le côté. Non, mais c'est pour ça que c'est important de le dire. C'est important, oui. C'est waouh. Elle me booste, elle me donne envie d'y aller, quoi. Il faut que je me bouge. Et du coup, c'est ça. Et moi, quand on me voit aussi des fois chez des trucs, il y en a qui disent punaise, tu nous donnes envie d'y aller, quoi. Tu nous donnes la patate. Parce que, ça nous bouge. Du coup, on se dit, après tout. Et puis, malgré l'écart d'âge que l'on a, on a quand même un écart d'âge. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est resté un partage. Une communication. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de j'ai 10 ans de plus que toi. On ne ressent pas ça en fait. On ne le ressent pas du tout. On ne le ressent pas du tout. Du coup, c'est pour ça que c'est fluide, c'est naturel, c'est simple. En fait, il n'y a pas de question. C'est vraiment très très simple. Très vrai. Voilà, donc les filles, moi je vous remercie. De toute façon, je sais qu'on se reverra. Ah oui. Marion, écoute, si tu pars dans quelques temps, parce qu'elle va partir dans un autre pays pour faire ce métier, quand tu reviens, fais-moi un petit signe. Même si on veut, se faire un petit coucou. Même des fois, si t'es pas là, on peut se faire sur WhatsApp en vidéo. Oui. Ça peut être tu montres où tu es. Si l'envie vous prend de venir. Mais bien sûr, c'est pas qu'est-ce que t'en penses. C'est pas mal, c'est faire une colorimétrie sous le soleil. C'est ça, j'ai déjà fait les pieds dans le sable, c'était juste top. Donc oui, pourquoi pas faire une autre colorimétrie les pieds dans le sable, ça me va bien aussi. Voilà, donc les filles, je vous remercie en tout cas pour votre confiance. Je vous remercie pour ces bons moments passés ensemble. Je vous souhaite en tout cas une belle aventure, un beau démarrage, un beau concept, un beau projet, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter pour réussir en tout cas. Merci à vous, je penserai à vous et surtout donnez-moi des nouvelles parce que moi j'adore savoir comment ça se passe après. Souvent je prends des nouvelles un an après. Vous avez vu dernièrement, je suis à la Montée de Marne dans une boutique de robes de mariée. J'adore voir comment ça se passe. Donc à Chypre peut-être un jour. en tout cas, toi aussi dans ton concept, j'aimerais te voir. Pour le coup, ça serait encore mieux parce que c'est pas loin. Donc je vous remercie et puis je vous dis du coup à très bientôt. À très bientôt et merci à toi de tout ce que tu nous as apporté. Voilà.